chef des Éduains. Autrefois ami de César. Aujourd'hui allié de Vercingétorix. Ce soir, je suis prêt à mourir au combat. Le grand jour est enfin venu. Contre l'occupant romain, la Gaule tout entière se soulève. Nous allons reprendre le contrôle de nos terres. Regarde-moi. On ne trahit pas un Gaulois. Tu vas voir de quoi nous sommes capables. Nous allons gagner. Nous sommes au 1er siècle avant Jésus-Christ, sur les territoires actuels de la France, de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg. Près de 20 millions d'êtres humains vivent ici. Une soixantaine de peuples que nous avons l'habitude d'appeler d'un seul nom, les Gaulois. Ils ne parlent pas le même dialecte, ne vénèrent pas tout à fait les mêmes dieux, n'obéissent pas aux mêmes chefs, ne forment pas une nation. Et pourtant, ils appartiennent au même monde culturel. Parmi eux, les Éduins, les Sénons, les Carnutes, les Arvernes. Quand Jules César pénètre en Gaule en 58 avant Jésus-Christ, c'est un proconsul ambitieux qui vise le pouvoir suprême à Rome. Pour asseoir son autorité, il veut soumettre entièrement la Gaule, en attisant la discorde entre les peuples. Face à lui, Vercingétorix, ce jeune chef audacieux rêve, lui, de rassembler les peuples gaulois. Les Gaulois n'ont pas laissé de traces écrites. Le seul récit de leur guerre contre César est de la main de César lui-même. Il décrit ses adversaires comme cruels et redoutables. Excellente façon de se faire valoir. Pendant longtemps, les historiens n'ont pas remis en question cette version officielle. C'est au 19e siècle que naît le mythe des ancêtres gaulois. Guerriers moustachus unis contre l'envahisseur, amateurs de banquets arrosés, de potions magiques, adorateurs de Toutatis et de druides au pouvoir mystérieux. Et pourtant, nous pouvons maintenant, grâce aux fouilles archéologiques récentes, raconter une autre histoire, plus fidèle à la réalité. Aujourd'hui, les connaissances historiques nous permettent de faire revivre Apator, riche aristocrate éduin. Nous pouvons regarder les choses avec ses yeux. Et nous verrons que Gaulois et Romains, avant de devenir des ennemis mortels, entretenaient des relations autrement plus complexes. Cette guerre n'était pas la nôtre. Comment l'est-elle devenue? Avec les Romains, nous vivions en paix. Nos échanges étaient prospères, les marchands romains étaient nos amis. Nous avions confiance en eux. Comment la situation a-t-elle pu se dégrader ainsi? Préparez la chambre des invités. Je veux qu'il ne manque de rien. Les marchands romains étaient nos meilleurs fournisseurs. Il y a un an encore, je négociais l'achat de 1200 amphores de vin. Ah, pas tort. Goûte-moi ce vin. C'est le meilleur de toute la péninsule. Avec ça, tu vas devenir l'homme le plus riche de Gaule. Mais je le suis déjà. Un peu grâce à nous, Gaulois. C'est vrai, c'est à Rome que j'ai tout appris. Mes amis, à notre alliance, à notre réussite. À Rome. À Rome. Excellent. Hugues, fais resservir du vin pour nos invités. D'aussi loin que je me souvienne, ma famille avait toujours été favorable à la présence romaine. Cinq générations de commerce anéanties en une année à peine. Comment est-ce possible?
vieil homme qui s'apprête à mourir ne se l'explique pas. Contrairement à ce qu'écrit César, les Gaulois ne sont pas seulement des guerriers. Les Éduains, comme à Pator par exemple, sont des partenaires commerciaux privilégiés de Rome, ce qui leur donne du prestige aux yeux des peuples gaulois voisins. La prospérité aussi est au rendez-vous. Les innombrables amphores romaines retrouvées en Bourgogne l'attestent. Bibracte, la capitale éduenne, est la plaque tournante du commerce du vin. Les Éduains l'achètent aux Romains, le revendent dans toute la Gaule. Tout le monde est gagnant. Comme le dit l'orateur Cicéron, quand un Gaulois fait des affaires, c'est toujours par l'intermédiaire d'un citoyen romain. Ces alliances économiques sont aussi politiques. Les Éduains sont à la tête d'une confédération qui regroupe les Ambares, les Parisiens, les Bélovaques, les Bituriges, les Sénons. Les accords de paix et d'amitié que les Éduains scellent avec Rome engagent aussi leurs alliés. Les peuples de cette confédération se réunissent régulièrement dans la capitale éduenne pour réaffirmer leurs intérêts communs. Les fouilles menées sur le site de Bibracte, en Bourgogne, permettent de mesurer son importance. D'énormes trous de fondation attestent qu'on y trouvait des bâtiments de prestige pouvant s'élever à plus de 10 mètres. Grâce aux empreintes laissées par des poutres en bois, aujourd'hui disparues, on peut comprendre l'architecture et l'organisation de la ville. Des habitations occupées par des artisans, des granges pour les récoltes et le bétail, un marché, de vastes espaces publics. Les Romains appellent ces villes gauloises fortifiées des oppidums. Ce sont de véritables centres politiques et économiques dont l'organisation rivalise avec celle des plus puissantes cités antiques. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, à Bibracte, on travaille le cuir, les bois et les métaux. On fabrique et on vend de tout, des poteries, des parures, des tissus, du mobilier, des outils. Une production de masse qui repose sur un savoir-faire inégalé dans l'Antiquité. Marchands habiles, les Éduains tirent des profits extraordinaires de leur commerce avec les Romains. Ce n'est pas le cas de tous leurs alliés, loin de là. Au sein de la Confédération, depuis quelque temps, des voix discordantes s'élèvent. Acco, le puissant chef des Sénons, voit son pouvoir et son prestige diminuer au profit des Éduains. Acco a des raisons de craindre pour ses privilèges et pour sa liberté. Cette réunion à Bibracte était déterminante. J'observais chaque visage, me plongeais dans chaque regard, essayant de deviner les intentions de mes alliés. Acco, imperturbable, me toisait. Il était déterminé. En silence, il me faisait comprendre que nos chemins se séparaient. Chers frères, chers représentants de la Confédération, depuis quelque temps à nos frontières, des Gaulois sont entrés en guerre. En s'attaquant aux armées de César, ils affaiblissent notre allié le plus précieux. Amis, soyons raisonnables. César est notre protecteur. Ouais. Vous ne pouvez pas profiter de cette situation pour rompre avec lui. Ismaros, notre commerce a déjà trop souffert des conflits qui déchirent la Gaule. Ne l'oubliez pas. César nous a toujours défendus contre nos agresseurs. Ouais, quand ça l'arrange. Aujourd'hui, César a besoin de nous. Montrons-lui qu'il peut nous faire confiance. Ouais. Bravo. Acco, c'est à toi surtout et aux autres chefs que je m'adresse. Contrôlez vos peuples et vos familles. Que personne ne tente quoi que ce soit contre César. Nous avons trop à perdre. Acco n'a pas entendu ma mise en garde. C'était une âme fière. À l'automne, il se rapproche du peuple Carnute et se révolte contre César. Au seuil de la bataille finale, mon cœur vacille. J'ai perdu du temps. J'aurais dû rejoindre Acco immédiatement. Mais j'étais aveuglé
par la cupidité et perdu tout sens de l'honneur. Ça nous fait économiser au moins un jour de voyage. Je fais décharger le vin et je prends les manteaux. Avec ça, le compte doit être bon. J'ai d'autres fourrures qui doivent arriver très prochainement. Il n'y a pas d'urgence, nous retournons à Rome passer l'hiver. Mais je vous ai préparé une chambre pour la nuit. C'est gentil, mais nous prenons la route immédiatement. Quoi ? Vous ne restez même pas dîner avec nous ? Mon beau-père se faisait une joie de vous voir. Désolé, mais nous ne voulons pas voyager de nuit. Vous semblez bien pressé de rentrer. La région n'est pas très sûre en ce moment. Vous n'avez rien à craindre. Un Edouane ne s'attaquera jamais à un commerçant romain. Peu à peu, la crainte remplace la confiance. Tous les peuples gaulois ne sont pas aussi hospitaliers que les Edouans. Les Romains ne se sentent plus en sécurité. Jules César veut saisir cette occasion pour affirmer son autorité. Il veut diviser les chefs gaulois. Il a déjà triomphé des guerriers helvètes et belges. Ses légions ont vaincu les Vénètes et poussé leurs navires jusqu'en Angleterre. Son objectif à long terme ? Écarter Crassus et Pompée. Les deux proconsuls avec lesquels il partage le pouvoir à Rome au sein du Triumvirat. Ces trois dirigeants se sont répartis des colonies romaines qui entourent la Méditerranée. Si César réussit à soumettre entièrement la Gaule, il triomphera à Rome. Il va donc s'attaquer au dernier peuple qui lui résiste. Informé par ses espions, il déjoue la rébellion fomentée par Acco. Il contraint le chef des Sénons à la reddition. Puis il convoque l'Assemblée des Gaules à Durocortorum, aujourd'hui Reims. Un geste fort qui dépossède les chefs gaulois et les druides de leurs fonctions judiciaires. C'est donc à Durocortorum que va se jouer le sort d'Acco. Père, tu as l'air soucieux. J'aurais aimé que tu viennes avec moi. Tu sais que j'ai affaire ici. Oui, tu me l'as dit. Vismaros part avec toi. C'est un homme de confiance. Vismaros n'est pas mon fils. Et la politique fait partie de ton rang. De nouveaux clients arrivent ce soir. Et mon rang m'oblige à m'occuper d'eux. César voulait nous diviser et nous affaiblir. Il voulait faire de nous des ennemis que le glaive devait soumettre. Son triomphe était à ce prix. Nous nous sommes laissés manipuler par la raison froide du stratège. Nous n'aurions pas dû nous rendre à Durocortorum. Par notre présence, nous nous humilions devant César. Et nos druides impuissants ne pouvaient plus que pleurer sur nos âmes. Bibracte est relié à l'oppidum de Durocortorum par 300 km de route. Un véritable réseau qui quadrille le territoire et permet des échanges culturels et commerciaux intenses. Les célèbres voies que nous appelons romaines ont été en fait tracées par les Gaulois. J'arrivais à Durocortorum après 5 jours de voyage. Je fus saisi d'effroi. César nous prenait à la gorge. Sous nos yeux, Acco n'était déjà plus rien. Et César, qu'est-ce qu'il attend ? Arverne ! Carnute ! Éduin ! Ces noms, peuple de Gaule, si je vous ai tous réunis en ce jour, c'est pour décider du sort de cet homme qui a honteusement trahi les siens. Ah, on ne voit rien. Cet homme a été indigne de ses hautes fonctions. Il a été dénoncé par les siens alors qu'il fomentait une dangereuse rébellion. Rébellion, il y va fort. Taisez-vous. Les Sénons ont agi avec courage.
en me livrant leur chef. En trahissant son peuple, Akko trahit la Gaule tout entière. Il vous trahit. Il nous trahit. Il doit payer. C'est impossible. Tout à fait. C'est impossible. Je demande pour Akko une sentence exemplaire. La peine de mort. Membre du Conseil de la Gaule. Je ne peux pas laisser passer ça. Je vous demande de valider cette sentence par un vote à main levée. J'ai compris trop tard. César voulait démontrer qu'il avait des alliés solides parmi nous, capables de se retourner contre les leurs en cas de trahison. Devais-je voter la mise à mort d'Akko? Cette question m'a tellement tourmenté. Le moment est grave. Si vous approuvez l'exécution du traître Akko, levez le bras! Juste. La sentence est adoptée. Non ! Non ! Non ! Vous tuez l'un des vôtres ! Non ! Non ! Le supplice et la décapitation d'Akko achèvent d'humilier les Gaulois. L'outrage que César vient de commettre se double d'un sacrilège. La décapitation possède une signification précise pour les Gaulois. Elle est habituellement réservée aux ennemis. En consentant à l'exécution du chef Sénon, les Gaulois viennent d'accepter les nouvelles règles imposées par César. Il devient le maître suprême. Mais la civilisation gauloise est plus solide qu'il n'y paraît. Les peuples partagent des valeurs spirituelles et morales, transmises de génération en génération. Des mariages, des accords de paix, de protection mutuelle les unissent. Les Gaulois ne passeront pas si facilement sous le joug romain. À l'écart des villes, des chefs indignés se réunissent en secret. Acculés par César, ils commencent à comprendre que leur union pourrait bien constituer leur force. Ce traître a eu ce qu'il méritait. Il a rompu notre accord. Si on laisse faire les rebelles, les commerçants vont fuir la région. Non, on aurait dû régler ça entre nous. C'était à nos druides de le juger. César se bat à notre place. Ne me dis pas que la guerre te manque. Akko aujourd'hui et demain. Toi, moi. César veut nous diviser. Il va exterminer nos chefs jusqu'au dernier. Père. Rassure-toi, César a eu ce qu'il voulait. Tout va rentrer dans l'ordre. J'écoutais mon fils avec distance. La crainte de perdre mon confort m'avait égaré. La seule issue digne eût été pour nous, chefs gaulois, de prendre la défense d'Akko au péril de nos vies. À quoi bon la prospérité si elle implique le châtiment des nôtres ? Lug, comme toi, je voulais assurer notre avenir. Mais César ne nous traitait déjà plus en alliés. Il visait le contrôle de nos terres. Nous allions travailler pour lui. Comme à Pator, les Éduins ont beaucoup à perdre dans un changement d'alliance. Ce sont des propriétaires terriens riches, dynamiques, inventifs. Depuis plusieurs siècles, ils ont domestiqué leurs forêts pour les besoins de la métallurgie, du chauffage, de l'agriculture. Ils ont perfectionné la charrue et la moissonneuse. Ils cultivent le blé, le millet et l'orge, avec des rendements remarquables. Ils travaillent le cuir de leurs bovins. Les richesses de leur sous-sol favorisent l'essor de la ferronnerie, ainsi que le commerce des métaux précieux.
Dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, des chefs gaulois ont fait frapper leurs premières pièces de monnaie, facilitant ainsi le développement des échanges. C'est cette prospérité et cet équilibre centenaire que César vient de remettre en cause. En secret, une poignée de chefs gaulois décident de passer à l'action. Ils vont venger le chef des Sénons, décapité par César. À Sénabum, l'actuelle Orléans, les guerriers carnutes mettent à feu et à sang le quartier habité par les Romains. Des centaines de marchands sont massacrés. Cette attaque féroce est une véritable déclaration de guerre. La nouvelle du massacre se répand comme une traînée de poudre. Les Gaulois redoutent les représailles romaines. Mais pour un jeune aristocrate arverne, le massacre de Sénabum est plutôt une occasion à saisir. Cet ambitieux s'appelle Vercingétorix, un nom qui signifie « le grand roi des guerriers ». Pour lui, ce massacre est le début du conflit d'envergure dont il a besoin pour bâtir sa légende. Il s'empare du pouvoir chez les Arvernes et prend la tête de l'opposition à Rome. En un temps record, il rallie à la cause gauloise les peuples traditionnellement alliés des Romains. Les uns après les autres, il se range sous sa bannière. Ce nouveau chef a été initié à l'art de la guerre par les Romains. L'usage veut que les jeunes aristocrates gaulois se forment au sein même des légions dirigées par César. Ce n'est donc pas seulement un Gaulois et un Romain qui s'affrontent ici, mais plutôt deux compagnons d'armes. Un disciple et son maître, devenus ennemis. Sur les hauteurs de Gergovie, en Auvergne, Vercingétorix a l'intuition de son destin. Il est appelé à défier Rome. Dans l'affrontement qui se dessine, il comprend que sa réussite passera par l'union de tous les peuples de Gaule. Pour les Éduains, la situation devient délicate. Se soumettre au jeune chef arverne serait une humiliation. Longtemps, en effet, le peuple arverne a été considéré comme le plus puissant de Gaule. Grâce à l'aide des Romains, les Éduins les ont supplantés. Comment pourrait-il accepter de revenir en arrière? César ou Vercingétorix? Il faut choisir, Lug. Père, le choix est simple. On envoie des cavaliers aux Romains comme ils nous l'ont demandé. La Gaule entière est en train de se soulever contre César et toi, tu veux continuer à le soutenir. Pourquoi nous rapprocher de Vercingétorix? Ne me dis pas que tu lui fais confiance. C'est un arverne. Nous n'avons plus le choix, Luc. Nous devons unir nos peuples. Et nous resterons unis combien de temps? On chassera César, et puis ce sera le chaos. Non. Avec Vercingétorix, on pourra s'entendre. César nous écoute plus depuis bien longtemps. Toi, sors d'ici. Les Romains se servent de nous. Ils nous trahiront à la première occasion. César nous respecte. Il a toujours tenu parole. César n'est pas différent des autres. Il veut venger Rome du passé. Je me souvenais des récits que nous transmettaient nos druides. Les Romains avaient une revanche à prendre. Nous les avions envahis il y a longtemps. Très longtemps. Aucun peuple n'oublie pareil affront. Brennus, l'illustre chef des Sénons, avait mis Rome à sac. En 390 avant Jésus-Christ, Brennus conquiert le nord de l'Italie et parvient à Rome. Mal organisé, l'armée romaine ne réussit pas à l'arrêter. Les hommes de Brennus pillent, brûlent et tuent. Dans une ville à feu et à sang, les survivants se réfugient sur le Capitole. Les images de cet impitoyable massacre frappent les esprits et sa légende traverse les siècles. Les Romains n'oublieront jamais les mots célèbres de Brennus. Vae victis,
malheur aux vaincus. En 3 siècles, Rome est devenue la grande puissance de la Méditerranée. Sa vengeance est proche. Pour espérer pouvoir lui résister, les peuples gaulois doivent se rassembler. Au début de l'hiver, le peuple éduin est encore l'allié de Rome. Pour changer d'allégeance, il lui faut réunir son sénat. Chaque famille aristocratique y est représentée. Entre les uns et les autres, les avis sont bien différents. L'Assemblée a voté. Vous avez choisi de rester fidèle à César. Ouais, vive César! Nous continuerons donc d'alimenter ses troupes comme il nous l'a demandé. Oh, c'est un scandale! Mon peuple ne mesurait pas l'urgence de la situation. Mais quelques puissantes familles validaient en secret mon intention de lever une armée et de rejoindre Vercingétorix sur le champ. Nous devions anticiper l'avenir et commencer à nous organiser entre Gaulois. Restons unis! Je compte sur vous! L'Assemblée a tranché, Arbator. Lug, t'es bien? Ouais, j'arrive. Tu m'en veux, hein? Et tu crois que moi aussi, j'ai pas peur de tout perdre? Que va le notaire sans notre honneur? Fais-moi confiance. Lug avait deviné ma décision. Mon fils ne comprenait pas pourquoi je prenais les armes, et Vismaros le manipulait contre moi. J'avais perdu l'écoute de mon fils. Ma belle-fille, elle, ne me ferait pas défaut. Elle avait l'âme d'une guerrière. Tu voulais me voir? Je suis en train de rassembler des forces. J'ai décidé de rejoindre les rangs de Vercingétorix. Ton mari refuse de me suivre. Mon mari estime que sa place est ici, aux côtés des siens. Et il n'est pas le seul à penser ça. Et Lug se trompe. Si on n'arrête pas César, nous allons tout perdre. Lug a toujours mené sa vie comme il l'entend. Il ne m'a jamais écouté. Tu es la seule personne en qui il ait confiance. Dis-lui de venir avec moi si tu veux préserver notre famille. Je lui dirai. Attends. J'ai besoin d'argent pour payer mes hommes. J'aimerais que tu investisses une partie de ta dot dans l'armée que je suis en train de lever. J'en parlerai à Lug. Non, lui dis rien. Cet argent t'appartient. Fais-le pour nous. Très bien, je mettrai un peu d'argent. Mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Si tu échoues, Lug ne me le pardonnera pas. Ma chère belle-fille. Jusqu'à aujourd'hui, mon fils n'a pas réussi grand-chose. Sauf son mariage. Mais n'est-ce pas là le principal ? En tant que femme gauloise, Albiana n'est en rien un être subalterne. Elle n'est pas la propriété de son mari. Elle garde sa liberté et la jouissance de ses biens. En tant qu'aristocrate, elle participe activement à la gestion du domaine et en cas de guerre, elle hérite des prérogatives de son mari. Elle arbitre les conflits, prend part aux questions politiques et elle peut même siéger dans les assemblées. On a mis au jour quelques tombes de femmes. Les archéologues ont reconstitué celle de Soissons, en Picardie, qui se trouvait garnie d'instruments de toilette, de céramique ornée, de bijoux magnifiques.
Celle de Vix, en Bourgogne, date du VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle abritait une mystérieuse princesse. On y a trouvé ce gigantesque vase en bronze. Importé de Grèce, le cratère de Vix fait la taille d'un homme et pèse plus de 200 kilos. Il est orné de soldats et de quadriges, fameux chars antiques tirés par quatre chevaux. Ces tombes n'ont pas encore livré tout leur mystère, mais elles témoignent de l'importance sociale des femmes gauloises. À l'hiver 53, César occupe le nord, l'est et l'ouest de la Gaule. Sa zone d'influence s'étend de Limonum, l'actuel Poitiers, à Tittelberg, à l'est du Luxembourg, en passant par le territoire des Morins, en Belgique actuelle. S'il veut avoir une chance de remporter la partie, Vercingétorix doit concentrer ses forces et agir en stratège. Dans l'Antiquité, l'usage est de ne pas se battre en hiver. La neige, le froid, la brièveté du jour compliquent déplacement et ravitaillement. Le chef gaulois espère en profiter pour préparer ses hommes au combat à venir. Mais César se montre plus imprévisible, plus impitoyable que jamais. Il brise la trêve hivernale. Ses légions aguerries, que les intempéries n'effraient pas, prennent les Gaulois par surprise. Le pays arverne est dévasté. Vercingétorix est contraint à une riposte immédiate. Ses guerriers connaissent parfaitement le terrain. Ils mènent une guerre d'embuscade, tirant parti de chaque rivière, de chaque forêt, de chaque vallon. Cette guerre d'accrochage sème le désordre dans les rangs de l'armée romaine. Vercingétorix ne s'en tient pas là. Pour faire plier César, il faut briser le moral des légions en les affamant. Il demande à chaque peuple allié de brûler derrière lui toutes ses réserves. Les Romains ne doivent plus pouvoir se ravitailler, où que ce soit. Nous traversions des campagnes désertées et j'ordonnais à mes hommes de mettre le feu aux récoltes. En affamant les Romains, nous prenions le risque d'affamer les nôtres. Mais face au brasier, nous nous consolions à la pensée d'une victoire prochaine. Les Bituriges obéissent à Vercingétorix. Cette tactique de la terre brûlée, ils l'appliquent à leur région tout entière. Seul Avaricum, actuelle ville de Bourges, est épargnée. Les habitants s'y sont réfugiés. Elle est supposée imprenable. Inexorablement, les légions romaines affamées assiègent la ville. Exhortées à venger le massacre de Cenabum, elles finissent par franchir les remparts. On compte 40 000 morts et moins de 1 000 survivants. J'approchais d'Avaricum. Au pied des remparts agonisaient les guerriers. La ville n'était qu'un bain de sang. Les fureurs de César n'avaient épargné ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. J'avais vu juste. César irait jusqu'au bout. Nous n'étions qu'un obstacle à l'expansion romaine. Désolé. Bois. Soutenir César, c'était cautionner ses crimes et trahir la Gaule.
Grand les yeux. Oh non. Je te l'avais dit que j'étais le meilleur. Il faut me laisser. Ouais, observe le talent, regarde. Ah, pas tort. Ça va? Tu as fait bonne route? Ne m'approche pas, Vismaros. Vous devriez avoir honte. Vous vous saoulez pendant que vos frères meurent sur le champ de bataille. Et vous? Qu'est-ce que vous faites encore sur nos terres? Vous n'avez toujours pas compris que vous n'êtes plus chez vous, en Gaule? Père, excusez-le, il est fatigué. Reprenez votre argent et rentrez chez vous! Allez-vous-en! Si vous restez, je ne réponds plus de vos vies. Albiana, à toi aussi, laisse-nous. Comment tu oses me faire ça? Je suis chez moi ici! Tu es sur ma propriété. Oui, ta propriété. C'est moi qui l'entretiens! Parce que tu es trop lâche pour partir en guerre. Je veux que vous rompiez immédiatement tout contact avec les commerçants romains. Mais ils peuvent encore nous servir! Mais c'est fini, Rob! Fini! Si tu ne veux pas perdre tout ça, tais-toi! Tu dois m'obéir maintenant. Si tu ne m'écoutes pas, on va te prendre pour un espion à la solde des Romains. Alors tu viendras à Bibracte avec moi et tu choisiras publiquement le parti de Vercingétorix! J'ai entendu tout à l'heure. Tu penses toujours que ton père se trompe? Ne te mêle pas de ça. Dieu te récompenseront pour avoir obéi à ton père et défendu notre honneur. Je te donnerai des enfants. Et ils seront fiers de toi. Après le massacre d'Avaricum, Vercingétorix doit remporter une grande victoire s'il veut conserver son autorité auprès des autres chefs gaulois. C'est sur ses terres, à Gergovie, dans le massif central, que le chef Arverne attire César. La ville, postée sur un haut plateau, présente un accès difficile. César osera-t-il se lancer à l'assaut? Il tente le coup, mais Vercingétorix, qui occupe les collines alentour, le prend à revers. Pris au piège au fond des vallées, 700 légionnaires périssent par le fer gaulois. Cette victoire marque un tournant décisif. Les peuples gaulois ne voient plus en Vercingétorix un simple chef arverne, mais leur libérateur. Les uns après les autres, ils viennent lui jurer fidélité et remettre leur destin entre ses mains. Seul le peuple éduin hésite encore. Quand Vercingétorix se rend à Bibracte, la capitale éduenne, il sait que l'avenir de la Gaule tout entière dépendra de sa capacité à fédérer les chefs éduins. Mes frères! Notre stratégie de la terre brûlée, visant à user l'ennemi, commence enfin à porter ses fruits! Bravo! Bien dit! Les 700 soldats romains tués à Gergovie prouvent qu'une victoire est possible. Et proche! Les troupes de César sont aujourd'hui en déroute.
fatigué, démoralisé. Il va nous dire qu'il a fait ça tout seul. Mais un succès définitif. Bismarck. Ce sera possible que si les peuples les plus puissants de Gaulle se réunissent derrière un même chef. Je sais que nos deux peuples, Arverne et Éduin, se déchirent depuis des générations. Mais aujourd'hui, un objectif commun nous réunit. La fin de la tyrannie. Bravo. Oui, bien parlé. Je me présente devant vous. C'est pour obtenir votre soutien officiel. Vous ne pouvez pas vous tenir à l'écart plus longtemps. N'y a-t-il pas d'autre choix que de confier notre destin à un Arverne? En choisissant Vercingétorix, nous nous rapprocherons de la tête de la rébellion et nous la contrôlerons. J'ai prouvé ma valeur et ma détermination au combat. Je vous demande donc de me confier le commandement de vos troupes et de me nommer chef des armées. Je vous promets de vous servir humblement et de veiller toujours sur vos intérêts. Les négociations menées avec Vercingétorix avaient porté leurs fruits. Nos chefs obtiendraient le commandement de plusieurs unités de combat. L'Assemblée vota à l'unanimité en sa faveur. Nous allions enfin cesser de fournir César en soldats. Je vivais ce moment comme une renaissance. C'est à la tête de 3000 cavaliers que j'allais renforcer l'armée de Vercingétorix. Nos cœurs battaient à l'unisson. Je nous sentais invincibles. En s'alliant aux Arvernes, les Éduins mettent fin à une rivalité ancestrale. Il faut maintenant lever une armée. Des centaines de milliers d'hommes doivent être capables, au moment décisif, de repousser les légions romaines hors de Gaule. Les richesses gauloises sont mises au service de ce projet. Les vivres indispensables sont réquisitionnés auprès des agriculteurs. C'est la Gaule tout entière qui participe à l'effort de guerre. Dans les villages et les oppidums, les forgerons plus que jamais s'activent. Le marteau bat l'enclume, sans relâche. Le guerrier gaulois dispose d'armes et d'équipements de combat d'une grande sophistication, que les Romains s'empresseront d'imiter. Cotte de maille, pour le protéger des coups mortels. Casque avec des protège-joues, amovibles. Fourreau magnifiquement gravé et lame tranchante. Les épées témoignent d'un savoir-faire exceptionnel. Légères, elles se fixent à la taille sans entraver la mobilité du guerrier. Il n'y a pas en Gaule, contrairement à Rome, d'armée de métier. C'est la classe aristocratique des guerriers qui se charge elle-même de financer cet armement coûteux et d'assurer la défense du peuple. Les Gaulois ne partiraient pas au combat sans le consentement de ceux qui, au sommet de leur société, en protègent les traditions. Les druides, gardiens du sanctuaire, savants dotés de connaissances immenses, chef spirituel respecté. Pour Apator, pour ses guerriers, l'autre monde est une réalité. L'immortalité de l'âme, un fait incontestable. Les druides sont les intermédiaires entre le monde des hommes et celui des dieux. Ces dieux sont nombreux, souvent différents d'un peuple à l'autre. On retrouve cependant dans toute la Gaule deux mêmes dieux de la guerre, Taranis et Teutates. Le sanglier, animal sacré, constitue l'un de leurs attributs et figure sur les enseignes guerrières. Mais pour les soldats qui partent au combat, ces enseignes sont plus qu'un symbole. Grâce à l'intercession des druides,
ce sont Eutates et Taranis, eux-mêmes, qui combattent à leur côté. Dieu, nous sommes à l'écoute. Tout signe favorable ou défavorable sera respecté. Le destin de nos peuples est entre vos mains. Nous avons entière confiance. Dieu, donne-nous... Les dieux seront impuissants. On a déjà tout perdu. Le vote d'hier est une erreur. Nous aurions dû nous y opposer. Si c'est César qui gagne la guerre, on sera les premiers à payer. Si c'est Vercingétorix, il deviendra roi. Et les Arvernes domineront la Gaule pour des générations. On a déjà tout perdu. Au contraire, nous avons une chance à saisir. Donne-nous l'amour. Nous avons toujours été fidèles à César. Et il le sait. Si Vercingétorix gagne, on le neutralisera. Et on négociera avec les Romains. Mais tu sais bien que nous risquons de perdre. Si c'est le cas, nous serons les premiers à nous rendre à César. Qui saura nous remercier? Qu'est-ce que vous faites là? Tout le monde vous attend. Notre heure est venue, Vismaros. Quoi qu'il arrive, nous sommes gagnants. Au petit matin, les guerriers Éduains se mettent en marche vers le seul chef qui puisse désormais assurer leur indépendance, Vercingétorix. Nous n'avions aucun doute. Nous nous sentions portés par une ferveur commune. Vaincre César. Nous étions déjà 80 000. L'heure du combat approchait. Nous étions impatients. Le disciple va-t-il dépasser le maître ? Vercingétorix peut-il triompher de César? Entre les deux hommes, un affrontement complexe, comme une partie d'échecs, s'engage. Les garnisons romaines sont postées aux alentours du plateau de Langres. Le chef Arverne apprend leur départ imminent pour Rome. Serait-ce un repli? Ou même une retraite de César? Les dieux lui prêteraient-ils main forte? Sur le trajet des légions, Vercingétorix cherche un terrain favorable pour attaquer l'ennemi. Ce sera Alésia, en Bourgogne. À 100 km au nord de Bibracte, c'est une place forte, perchée sur un promontoire escarpé, entourée par de nombreuses collines. Alésia est au centre de la Gaule. Vercingétorix sait qu'il peut y faire converger les renforts de tous ses alliés gaulois. Il leur suffira d'occuper les collines alentour et de fondre de tous côtés sur les Romains, coincé au pied des remparts. Tactiquement, Vercingétorix se réfère à sa victoire de Gergovie. Il cherche à en recréer les conditions. Il renforce l'oppidum d'Alésia et y adjoint un campement fortifié. Mais stratégiquement, César a un coup d'avance. La retraite de ses légions est une ruse. En réalité, elles sont en ordre de bataille. Et ce n'est pas tout. César a soudoyé certains Gaulois nostalgiques de l'alliance avec Rome. Il en fait ses espions. Il sait que son adversaire l'attend à Alésia. Vercingétorix ne se doute de rien. Il charge la cavalerie éduaine de porter un premier coup aux légions qui approchent, à quelques kilomètres en amont d'Alésia. D'affronter une armée épuisée. Vercingétorix mettait à l'épreuve la solidité de notre alliance. Hors de question de le décevoir. Pas de quartier. Nous attaquerions par salves successives jusqu'à l'anéantissement total des légions. Officier! Le grand moment est proche. Nous n'avons rien à craindre des Romains. Ils ne s'attendent pas à nous voir attaquer.
Piétinons leur honneur! Je veux qu'à l'issue de ce combat, Vercingétorix n'ait plus qu'à serrer le poing pour les réduire en poussière à Alésia! Les Romains sont en vue! Ils entrent dans la forêt! Tous en place! Rejoignez vos hommes! Apator, viens voir. Il y en a des milliers. Ils sont tous là. Et regardez derrière. Ils ont fait venir des renforts. On garde le plan d'attaque. Vishmaros, tu prends la cavalerie et tu t'occupes des Germains dans la plaine. Hugh, tu vas dans la forêt rejoindre les troupes. Nous étions pris au piège. Des mercenaires par milliers venaient renforcer les légions de César. Il n'avait jamais un seul instant pensé retirer ses troupes. Comment avons-nous pu être si naïfs? César a recruté des mercenaires germains. Ces soldats de métier, aguerris aux techniques de combat les plus efficaces, répondent aux plus offrants. En les engageant avant que Vercingétorix ne puisse le faire lui-même, César prive les Gaulois d'un atout précieux. Fidèle à sa réputation, le proconsul a pris son adversaire de vitesse. C'est la débâcle. Les enseignes gauloises jonchent le sol au milieu des cadavres. Les cavaliers éduins n'ont même pas eu le temps de ramasser leurs emblèmes sacrés. Un présage désastreux. Car ces guerriers, en se rangeant par 500 derrière ces enseignes, pensaient bénéficier de la protection directe de leur dieu. Et maintenant, Teutates et Taranis les auraient-ils abandonnés? César serait-il définitivement plus puissant qu'eux? Comment oser le défier désormais? Après cette terrible déroute, les Gaulois n'ont pas le choix. Ils doivent se réfugier, plutôt que prévu, dans la forteresse d'Alésia. La blessure n'est pas très profonde. Tu seras rétabli dans quelques jours. Quoi que nous fassions, César nous imposait son rythme. Les fortifications d'Alésia n'étaient pas prêtes. Notre repli venait trop tôt. Nous devions absolument reprendre la main. De loin, le scénario se déroulait comme nous l'avions prévu. De plus près, c'était autre chose. Nous nous retrouvions dans la forteresse, affaiblis, mal préparés.
tandis que sous nos yeux se reformaient indemnes les légions romaines. Enfermés dans Alésia, il nous était impossible de contacter nos alliés pour préparer la riposte. César conservait l'avantage. Ce ne sont pas moins de 70 000 fantassins romains qui occupent les collines et encerclent bientôt l'oppidum. Pourtant, Vercingétorix garde confiance. Il croit sa forteresse imprenable. Les renforts qu'il a convoqués finiront par arriver. Vercingétorix mise tout sur cette unité nouvelle des Gaulois. Derrière les remparts d'Alésia, il a fait stocker des vivres pour tenir le siège. Il impose d'emblée un rationnement des plus stricts et se montre intraitable sur ce point. Troisième section, Éduin, cavalerie. Yes. Je vais prendre le blé. Ça ira avec ta jambe. Oui. N'allez pas trop vite. Vercingétorix considère que le seul véritable danger provient de l'intérieur de la forteresse. Des Gaulois l'espionnent pour le compte de César. T'as besoin d'aide ? Il le sait. Non. Il faut démasquer ces traîtres, les châtier de façon exemplaire, resserrer les rangs. Que manigançait Lugue avec Vismarus ? Je craignais le pire pour mon fils. Vercingétorix n'avait aucune pitié pour les traîtres. Les hommes prétendent que tu es un espion à la solde des Romains. C'est ce que tu penses aussi? Reste ici! Dis-moi la vérité. Des hommes dans ce camp jouent un double jeu. Mais pas moi. Je suis pas un traître. Nous étions coupés du monde, sans nouvelles de nos alliés. Si les jours s'écoulaient trop lentement, nos stocks s'écoulaient trop vite. Vercingétorix devait agir, et vite. En secret, il avait convoqué les chefs en qui il avait toute confiance. Il les avait informés de sa décision d'envoyer des cavaliers de l'autre côté des lignes ennemies. Ils auraient pour mission d'avertir les troupes gauloises de la situation et de presser leur arrivée. Lugue savait. Il avait toujours une oreille qui traînait et ne s'en cachait même plus. Tu parles aux troupes et tu ne me dis rien. Tu as déjà des volontaires parmi les Éduins ? Proposer la mission à quelques-uns. C'est une mission risquée. Laisse-moi aller avec eux. Nos hommes ont besoin de chefs. Non. C'est ici que tu seras le plus utile. Père ! Tu dois me laisser partir. Je serai de retour dans quelques jours avec les meilleurs soldats. Mais tu es blessé, non ? Ça ralentirait les autres. Je me sens assez fort pour partir. Tu veux être un héros ? Alors reste ici. Et bats-toi avec tes frères pour le prouver. Vercingétorix se méfie de toi. Oui, c'est lui qui refuse de t'envoyer. Désolé, mais tu ne partiras pas. Nos émissaires étaient partis à la tombée de la nuit. Ils étaient notre dernier espoir. Si César les interceptait, notre sort était scellé. Les cavaliers réussissent à passer. Vercingétorix agit juste à temps. Jour et nuit, les Romains bâtissent des fortifications autour d'Alésia.
Bientôt, nul ne pourra plus les franchir. César, informé par ses espions, sait que les renforts gaulois ont prévu de l'attaquer par derrière. Il construit donc deux lignes de fortifications. La première, tournée vers l'extérieur, dite circonvallation, le protège des attaques à revers. La seconde, dite contrevallation, fait face à l'oppidum d'Alésia. Les légionnaires accomplissent un travail titanesque, à la hauteur du génie militaire romain. Au total, ils édifieront 35 km de fortifications. Aux remparts de bois sont ajoutées des tours de 9 mètres de haut. Pour freiner l'assaillant, on plante des rangées de pieux de fer et de bois. On creuse de gigantesques fossés de plus de 4 mètres de profondeur. Les légionnaires romains, à la fois maçons et menuisiers, portent un paquetage de 40 kilos. En plus de leur armement, ils transportent les outils nécessaires aux travaux de terrassement et de construction que l'art de la guerre leur impose. De nuit, nous nous faufilions à l'extérieur de la forteresse et nous détruisions ce que les Romains avaient construit le jour. Nous devions à tout prix gagner du temps. On traverse en silence. Je demandais à Lug de nous accompagner. Je voulais le voir à l'œuvre, m'assurer de sa loyauté. Lug, occupe-toi de celui-là. D'accord, père. Tiens, frappe. Au sol. Demi-tour. Le travail de sable des Gaulois s'avère bien dérisoire au regard de la puissance romaine. Et les légions continuent à préparer leurs pièces d'artillerie en vue de l'assaut final. Chaque jour, ce sont toujours plus de catapultes et de scorpions, sortes d'arbalètes géantes, qui s'accumulent derrière les lignes romaines. Les arbalètes peuvent abattre un homme à plus de 100 mètres et les catapultes projeter des boulets de plus de 5 kilos. Ces armes sont terrifiantes. En face d'elles, les guerriers gaulois semblent bien fragiles. Depuis 5 siècles, ils se battent partout en Europe. Ils n'ont pas leur pareil pour l'attaque éclair, pour l'embuscade. Ils excellent également dans les corps à corps. Mais cette guerre de position les prend au dépourvu. Leur armement, lui, est loin de rivaliser avec celui des Romains. Dans Alésia, les armuriers s'activent. Mais comment des épées, des lances et des boucliers pourraient-ils faire le poids face aux machines de guerre romaines ? Je suis venu vous apporter nos armes. Suivez-moi. C'est à l'arrière. Vous pouvez déposer vos armes ici. Votre jambe, vous saignez ? Non, c'est rien. Vous êtes sûr ? C'est ma blessure la plus récente, romaine. Mais j'en ai d'autres plus anciennes. Helvète. Approche. Donne-moi ta main. N'aie pas peur, donne-moi ta main. L'épée n'est pas arrivée jusque-là. Les jours s'écoulent.
et les lignes romaines se renforcent. Les assiégés restent sans nouvelles de leurs émissaires. Peut-être ont-ils été interceptés par une légion postée à l'écart, qui sait. Aucun signe des troupes alliées non plus. Enfermés dans Alésia, les Gaulois se sentent de plus en plus abandonnés. Non, merci. Excuse-moi, fils. J'ai douté de toi, j'ai eu tort, je sais. Mais pourquoi ne crois-tu pas en cette guerre? Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Ai-je été un si mauvais père? Pourquoi tu me dis ça? J'obéis. N'est-ce pas déjà assez? Non, ce n'est pas assez. Il faut plus que cela pour remporter une victoire. Il faut être porté par une conviction. Mes convictions ne sont pas les tiennes. Pourquoi tu refuses de voir la réalité en face? Nous, Edouin, avons plus en commun avec les soldats romains que nous tuons dans les tranchées qu'avec tous ces hommes qui sont enfermés ici avec nous. Ce que tu partages avec tes frères d'armes, tu ne le partageras jamais avec les centurions romains. Tu te bats pour défendre ta liberté, comme eux. Et alors? Et alors? Ta richesse, fils, ne vaut rien si tu n'en disposes pas. C'est à cette noblesse que tu appartiens. Tu n'es pas l'esclave de César. Tu es un chef Edouin. Tu dois être fier de nos traditions. Sois prêt à tout pour les défendre. Un Edouin ne craint pas la mort parce qu'il sait que le ciel lui est promis. Forteresse assiégée, les premiers signes de la faim font leur apparition. Certains hommes sont victimes d'hallucinations, d'autres divagues. Vercingétorix s'inquiète. Il a besoin de guerriers solides pour affronter César. À quoi lui serviraient des moribonds? Si le siège se prolonge, Alésia ne doit pas compter de bouches inutiles à nourrir. Le chef gaulois ordonne donc d'évacuer les femmes, les enfants et les vieillards. Laissez-moi vous aider. Non, ça ira. Quand vous arriverez près des lignes romaines, fais parvenir ceci à César. Ne pose pas de questions. Je te promets que grâce à ça, dans quelques jours, on sera tous tirés d'affaire. Allez, cachez la tablette. C'est notre seule chance. Ismaros, regarde. Vous ne passerez pas. César nous jouait un nouveau tour. Le plus cruel des tous. Vercingétorix ne pouvait pas revenir sur sa décision et leur ouvrir les portes. Ceux qui n'avaient pas été tués par les Romains étaient morts de faim sous nos yeux. Nous avions sacrifié les nôtres. Une fois de plus, nous étions manipulés. À coup sûr, la légende de notre barbarie allait monter jusqu'à Rome. César est en train de remporter la guerre psychologique.
L'agonie des femmes et des enfants est un fardeau qu'aucun homme ne peut supporter. Les Gaulois commencent à le reprocher à Vercingétorix. Lugue, conduis-moi à Vercingétorix. Il faut que nous attaquions maintenant. Ne fais pas ça. C'est du suicide. Il faut attaquer tous ensemble. La victoire est impossible tant que les renforts ne seront pas arrivés. L'armée de renforts ne viendra pas. Comment tu oses dire ça? C'est une question de jour. Non, les Gaulois nous ont abandonnés. Je ne te laisserai pas faire ça. Regarde. J'ai trouvé ça près des lignes ennemies. Qui a écrit ça? Tu le sais. C'est un éduin. C'est un des nôtres. Tu dois le faire payer. Écoute, je te cède ma place, fils. Tu vas prendre le commandement des hommes, et je t'aiderai tant que mes forces le permettront. On a perdu. On va tous crever. Nous devons nous rendre. Tu plaisantes ? Écoute, j'en ai parlé autour de moi. Près d'une centaine de chefs sont prêts à se joindre à moi et à se rendre dès demain. Avec leurs hommes, ça fait plusieurs milliers de soldats. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant ? C'était ce que tu m'avais dit, non ? Si ça tourne mal, on abandonne ? Réfléchis, c'est la meilleure solution. Pense à ta femme qui t'attend. Tu sais le risque que tu prends. Je pourrais te dénoncer à Vercingétorix. Tu diras rien à Vercingétorix. Tu sais pourquoi? Parce que ce sera ta parole contre la mienne. C'est bien. Tu l'as récupéré? Tu ne trahiras pas. Parce que t'es un éduin comme moi. Faisait surface. Me revenaient en mémoire nos amis romains. Nos meilleures récoltes. Le visage des nôtres. Certains pensaient que Vercingétorix avait agi par ambition et voulait le livrer à César. Quelle folie! Avions-nous d'autre choix que de le suivre jusqu'au bout? Je retrouvais mon fils. Au-delà du désespoir, il avait saisi l'importance de notre indépendance. Si nous voulions survivre, nous ne devions jamais cesser de la défendre. Affamés, démoralisés, les Gaulois ont perdu jusqu'au sens même de leur combat. Mais voilà qu'à l'horizon s'élèvent des nuages de poussière. Ce sont eux. Ils arrivent enfin. De toute la Gaule, 41 peuples se sont alliés contre Rome. 240 000 guerriers s'approchent des collines d'Alésia.
la plus grosse armée jamais réunie en Occident. Soudain, l'espoir renaît. Les assiégés ne peuvent encore mesurer l'ampleur du rassemblement. Mais le feu de la fierté gauloise est rallumé. Qui dit que Vercingétorix ne reprendra pas la main? Les légions sont mieux armées, mais les Gaulois ne sont-ils pas unis pour la première fois? Mon père doit se préparer. On a repéré des mouvements anormaux dans le camp romain. L'armée de renfort approche. Apportez les armes. Qu'est-ce que vous attendez? Ils étaient là. Nous allions enfin affronter César. Mes forces me revenaient. César n'aurait plus qu'à se rendre. Déjà, nous entendions la clameur des guerriers gaulois. Ils arrivaient de toute la Gaule. Bellovaque, Carnute, Sénon, Biturige, Lémovis et Duin. Ils étaient innombrables. En Europe, il faudra attendre 2 millénaires. Et les campagnes de Napoléon Bonaparte pour assister à une mobilisation d'une telle ampleur. En dépit de leurs armes puissantes et de leurs fortifications massives, les légionnaires romains pourront-ils avoir le dessus contre cette armée déchaînée? Le rapport de force semble totalement déséquilibré. Entre ces renforts et l'armée de Vercingétorix piégée dans Alésia, ce sont 335 000 Gaulois qui font face aux 70 000 légionnaires romains. Pourtant, César est persuadé de vaincre. Une dernière fois, il toise son ennemi. Le voir déployé en si grand nombre le réjouit. Son triomphe n'en sera que plus éclatant. Vercingétorix, sur les remparts d'Alésia, est lui aussi convaincu que la victoire est proche. Le vainqueur de cette bataille décidera du destin des peuples gaulois. Pour les siècles à venir. Dans la forteresse, on se prépare à la bataille finale. On apprête les quelques chevaux qui n'ont pas été mangés. On aiguise le fil des épées. On sort les carnix, trompettes aux gueules monstrueuses dont le son doit terrifier l'ennemi. Une dernière fois, les chefs lustrent leurs torques, ces épais colliers de métal qui sont le signe de leur noblesse. À mon fils, je me battrai nu comme mes ancêtres. Désormais un chef éduin. J'étais fier de me battre sous son commandement. Fier de lui. Fier d'être gaulois. Je sentais la mort toute proche depuis l'aube.
Je ne la redoutais plus, au contraire. La relève était assurée. Tremble, César. Tu es vaincu. La Gaule ne sera jamais province romaine. La bataille finale est effroyable. Les Romains ne prennent aucun risque et refusent le corps à corps. Abrités derrière leurs fortifications, ils font pleuvoir flèches et boulets sur leurs adversaires. Les guerriers qui réussissent à s'approcher des remparts s'empalent sur les pieux. La terre est couverte de cadavres. La belle entente gauloise s'est disloquée. Au-dessus d'Alésia, le temps d'un siège, un rêve a passé. Celui d'une Gaule unifiée. Contrairement à ce que César affirme dans sa guerre des Gaules, les soldats qu'il a vaincus à Alésia n'étaient pas seulement des guerriers redoutables. C'étaient aussi des hommes divisés, affamés, démoralisés. Au troisième jour, 100 000 hommes, près de la moitié des troupes de secours, ont fait demi-tour. Vercingétorix, pris au piège dans Alésia, n'a pas pu coordonner l'action des renforts. Il se rend à César. Tandis que ses guerriers sont réduits en esclavage et distribués aux légionnaires, le chef gaulois passe 6 années dans les geôles romaines. Il est exécuté en 46 avant Jésus-Christ pour la célébration du triomphe de César à Rome. Sur la terre gorgée de sang, les corbeaux et les vautours achèvent l'œuvre des légions. Dans l'imaginaire gaulois, ce sont justement les oiseaux charognards qui se chargent d'emporter les âmes vers l'au-delà. En mourant sur le champ de bataille, le guerrier gaulois délivre son âme du cycle des réincarnations. Enfin, il peut rejoindre ses dieux, pour toujours. Aujourd'hui, 2000 ans après le siège d'Alésia, les archéologues fouillent le sol afin d'exhumer ce que les vautours n'ont pas emporté. Les ossements, les armes, les bijoux, toutes les traces matérielles d'une civilisation fascinante. La terre nous parle de ces peuples méconnus qui ne sont plus. Mais les Gaulois conservent bien de leur mystère. Quels étaient leurs rites funéraires ? Comment s'adressaient-ils à leurs dieux ? À quoi ressemblaient leurs récits sacrés ? Tout ceci reste à découvrir. Après la bataille d'Alésia, quelques soulèvements agitent encore la Gaule. César les écrase, un à un. Pendant ces 8 années de guerre, 1 Gaulois sur 10 meurt ou se retrouve réduit en esclavage. On estime le nombre total de victimes gauloises entre 1 et 2 millions. La Gaule, dans son ensemble, devient province romaine. L'ère gallo-romaine commence. Elle va durer 4 siècles et transformer en profondeur les vestiges de la civilisation gauloise.
une nouvelle couche d'histoire se dépose lentement sur ce qui deviendra la France. D'autres suivront, et la poussière se met à recouvrir pour longtemps la mémoire du dernier Gaulois.